Charles Alunni est un grand intellectuel italien et français à la fois. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et aussi à la Scuola normale supérieure di Pisa. Donc, c'est un cas de personne qui vit vraiment entre les deux pays, entre deux influences culturelles, italienne et française. Et cela dérive aussi de l'histoire de sa famille. Exactement, absolument. Je peux revenir un peu sur ce détail, si on peut dire. Mais bien sûr. En fait, moi je suis né à Nice, donc Nice Ville de comme frontière. absolument, et puis ville italienne, une époque, ville qui encore aujourd'hui a une place importante, qui est la Piazza Garibaldi. Et évidemment, il y a beaucoup d'Italiens. Donc je suis né à Nice, mais mon père est né en Italie, à Perugia, et il était le fils d'une famille d'antifascistes notoires de Perugia, qui ont résisté, qui ont été persécutés. Et finalement, il a dû, après des péripéties tragiques, dramatiques, il a dû venir en France avec ses frères, ses parents. Il avait un frère plus âgé qui a été un des dirigeants de la Troisième Internationale. Et donc, surtout, les grands-parents étaient, surtout ma grand-mère était très active et se battait dans la rue contre les chemises noires. Et mon père lui-même, d'ailleurs, avec son frère, à l'école, était dans une classe dirigée par la femme du chef des chemises noires. Ce qui fait que quand ils allaient en cours, au lieu d'apprendre comme les autres enfants, elle les mettait au fond de la classe, les bras sur la tête. Ce qui fait que finalement, mon père était, on pourrait dire, n'a quasiment pas appris à écrire. Hein, Ah, voilà. il était. Ouais, il réussissait à lire les journaux, mais il n'a pas appris vraiment à lire, à écrire, etc. Donc il est venu en France à 12-13 ans. Et là, à 14-15 ans, il a travaillé avec Bertini, l'ancien président de la République italienne, à la construction de l'aéroport de Nice. Et donc ils ont porté ensemble, tiré des charrettes de rochers pour construire l'aéroport de Nice. Donc ça, c'est le premier pas. Et du coup, moi, l'italien, je l'ai appris en seconde langue au lycée. Et la chose importante, c'est qu'à la maison, il était interdit de parler italien. Ah bon? Ouais. Et donc, mon père, qui, une fois arrivé en France, et rentre au Parti communiste à 16 ans, il y a eu la guerre. Et la drôle de guerre en France, il a été fait prisonnier. Il a été prisonnier pendant 4 ans en Allemagne. Il a fait 6 mois de camp de concentration. Il a été condamné à mort 2 fois. Tout ça lié au fait que il était assez provocateur. C'était un anarcho-communiste. Et donc, quand les officiers allemands lui demandaient ce qu'il faisait dans la vie, il répondait je suis macro et communiste. Donc c'était une forme comme ça de Provocation. provocation, de résistance, etc. Et ensuite il est revenu en France à la Libération, et là en 1947, les grandes grèves, il a participé aux manifestations et il a fait 6 mois d'hôpital parce que les gardes mobiles lui ont défoncé les reins à coups de crosse. Et donc voilà, il a eu un parcours quand même assez terrible. Du coup, il n'était pas question d'aller en Italie et parler italien Voilà, non plus. parce que justement, là, j'oubliais tout à l'heure de dire que Ouais. nous sommes au bureau de Charles Alunni à l'École normale supérieure de Paris. Nous sommes Paolo Romani et moi-même. Et donc ici, c'est un lieu où l'on trouve autant de livres en français
que de livres en d'autres langues. Et l'italien, bien sûr, dans la bibliothèque de Charles Lunny, joue un rôle très, très important. Mais ce refus de parler l'italien, qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'il y avait chez le père de Charles Lunny une sorte d'amalgame entre le régime fasciste et l'Italie tout entière. Je pense qu'il a été très marqué, par, évidemment, dans son enfance, par le régime fasciste, par la répression qu'il a subie, par le fait que il a dû s'échapper d'une maison paysanne dans laquelle il habitait, au troisième étage, sortir descendre par la gouttière de la façade, parce que les chemises noires sont arrivées, ont commencé à tirer partout, dans les placards, sous le lit, etc. Ses parents n'étaient pas là. Et donc il a été très marqué, il avait 9 ans à ce moment-là. Donc il était assez révolté, etc. On faisait une chose, on allait en Italie quand même jusqu'à San Remo, parce qu'il y avait le Milan-San Remo de bicyclette. Ah oui. Et comme il a été coureur cycliste pendant une époque, il a abandonné ensuite pour des raisons financières. D'accord. Mais on allait jusque-là. Et moi, finalement, j'ai appris l'italien donc en seconde langue, ce qui est assez drôle parce que l'italien qu'on apprenait dans les années 60 au lycée était un italien très particulier, c'était un italien du 16e, 17e siècle. Ce qui fait qu'ensuite, en 1976, quand j'ai traduit, c'était ma première traduction professionnelle, un ouvrage de l'italien au français, de Cini Cicotti et Iona Lasigno, qui sont des physiciens romains, je leur ai écrit, et ensuite je les ai revus à Rome, et là ils m'ont dit, ah, il faut qu'on te dise quelque chose, c'est que la lettre que tu nous as écrite, on l'a faite circuler dans tout Rome, parce que c'était une lettre du 17e siècle. Oui. C'était un style qui n'était pas du tout l'italien parlé normalement, mais l'italien des livres, etc. Et j'ai vraiment appris l'italien quand, en échange avec ici l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, je suis parti un an avec un poste de bassiste à Di Scambio Internazionale. Je suis arrivé à Pise et là j'ai rencontré des jeunes comme moi, des camarades, qui m'ont vraiment appris l'italien. Courant. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, voilà. Ouais. Et donc mon rapport à l'Italie passe par ce biais assez étrange. Et d'ailleurs, c'est pas fini, c'est-à-dire que c'est un vrai périple, parce que mon père a quitté l'Italie pour venir en France. Moi, je suis parti de France pour aller en Italie. Mais lui a été prisonnier en Allemagne, et moi, d'Italie, j'ai été invité ensuite en Allemagne pendant 7 ans. Donc j'ai fait le même parcours que lui, mais à l'envers. Ah oui. Donc voilà les hasards. Les hasards objectifs de l'histoire en général. Donc voilà, et ça, c'était le point de départ, évidemment, étant entre deux cultures, ayant une culture française fondamentale, essentielle, et m'orientant vers la culture italienne, évidemment, j'ai été amené à me poser une question fondamentale dans mon approche intellectuelle, qui est la traduction, le concept de traduction. Oui. Et la traductibilité des savoirs, la traductibilité donc non seulement la traduction d'une langue à l'autre, absolument. Mais plus en général. Une version plus généralisée, plus large, moins étroite, c'est-à-dire pas simplement le passage d'une langue dans une autre, qui déjà pose d'énormes problèmes et d'énormes problèmes philosophiques, hein, qui est quelque chose de large. Mais la traductibilité des mœurs, la traductibilité des savoirs, etc. D'autant que une chose importante sur ce point, c'est que on a l'habitude de penser que la France et l'Italie sont deux pays voisins, frontaliers, très proches. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ces deux pays fonctionnent de façon très différente. Je pense que c'est assez important d'insister sur l'opportunité de cette situation de l'entre-deux. Hein. Enfin, c'est même entre trois, parce qu'il y a l'Allemagne au milieu, mais pour moi, essentiellement, c'est l'entre-deux, entre la France et l'Italie. Car il faut un certain temps, absolument, pour intégrer ces deux codes, pour intertraduire ces codes-là, et puis pour se sentir... je reviens de Pise, là. La semaine dernière, j'étais à l'École normale à Pise. Et... il faut du temps pour intégrer le fait que lorsqu'on est en Italie,
on ne fonctionne pas mentalement, gestuellement, de la même façon qu'en France. Et quand on a des... Moi, j'ai beaucoup d'amis italiens, et je pense qu'il faut un certain temps pour arriver à se situer à un niveau quasi naturel de fonctionnement indigène, disons. Et ça, c'est assez passionnant. Les relations amicales sont différentes, les relations intellectuelles sont très différentes aussi. Et je pense qu'avec le temps, ça prend une importance décisive, parce qu'on peut très bien être en Italie, y aller souvent et rester étranger à l'Italie, comme je pense qu'il peut y avoir, mais je pense que c'est peut-être moins évident, y avoir des Italiens qui viennent en France et qui restent étrangers au milieu, à l'ambiente, disons, enfin, restent plus extérieurs. Mais quand on arrive à véritablement se sentir naturellement intégré, disons, dans le pays, c'est assez fantastique. Et c'est fantastique parce que ça multiplie encore l'effet très positif pour moi du déplacement, du transfert, de la traduction, qui sont des phénomènes évidemment complètement opposés à une vision identitaire, fermée, etc. Et qui donc est une ouverture sur l'autre aussi. Ce qui est toujours Paolo important. Romani souhaitait intervenir. Oui. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est justement ce problème de, je ne dirais pas d'intégration, mais enfin de vivre dans un des deux pays comme dans l'autre ou pas, n'est-ce pas ? Enfin, mais alors vous qui vous intéressez à la science, à la recherche scientifique, à la philosophie de la science, est-ce qu'il y a un problème de traductibilité, non pas de la science, mais de l'approche à la science? Est-ce qu'on a la même approche à la science en Italie qu'en France? Alors c'est très intéressant parce que c'est quelque chose, un argument que j'ai discuté très récemment avec une mathématicienne italienne, Olivia Caramello, qui est à l'Institut des études scientifiques de Bures-sur-Yvette. J'ai un peu réfléchi sur un fait, c'est que à l'Institut des études scientifiques de Bures-sur-Yvette, qui est une espèce de Princeton français où il y a de nombreuses médailles Fields, etc., il y a eu trois femmes, essentiellement les dernières années, qui ont été intégrées dans cet institut, et ce sont trois Italiennes. Ah. Donc je parlais avec Olivia Caramello et je lui ai un peu indiqué ma vision des raisons pour lesquelles ces trois femmes très jeunes, qui sont des mathématiciennes hors pair, se sont retrouvées à l'IHES. Et pourquoi pas de notre pays, pourquoi ? Et moi j'ai posé une hypothèse parce que j'ai beaucoup travaillé, je travaille plutôt sur la philosophie des sciences en ce moment, mais j'ai travaillé sur la philosophie de la Renaissance, sur Galilée, Campanella, sur Gentile, et sur la philosophie de l'histoire italienne. Et pour en revenir justement à votre question, je lui ai proposé une interprétation, c'est-à-dire que les Italiens souvent disent, dans une espèce toujours d'auto, comment dire, un peu d'autocritique radicale, etc. Autodénigration. Autodénigration en général. Ont tendance à dire, et de façon générique, que le problème en Italie a été, au niveau institutionnel, universitaire et scolaire, a été la réforme Gentile, la grande réforme Gentile, dont Mussolini disait que c'était la più fasciste delle riforme. Oui. En fait, ce que je disais à Olivia Caramello, je lui ai dit, mais je pense qu'il faut voir les choses par l'autre bout de la lorgnette, c'est que un scientifique italien, j'ai beaucoup fréquenté les scientifiques italiens, pour moi, généralement, les scientifiques italiens ont une culture humaniste, philosophique, historique absolument prodigieuse quand on le compare au bagage qu'ont les scientifiques français. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui encore, en 2016, l'enseignement dans un lycée scientifique italien, c'est quoi ? C'est 3 ans de philosophie et 5 ans de latin. Et ça, c'est complètement prodigieux, parce qu'en France, dans les classes de sciences, il y a un an de philo, mais c'est
3 heures par semaine, c'est quasiment nul. Du latin, il n'en est pas question. Il y a une époque où il y avait des sections qui étaient sciences, mais en même temps latin-grec, tout ça a disparu. Et je pense que ça, c'est très important. Et Olivia Caramello m'a dit, tu as raison, parce que moi, en tant que femme, avec ma sensibilité de femme, etc., si j'avais eu un système d'enseignement où l'enseignement des mathématiques était complètement coupé des humanités, je n'aurais pas fait de maths. Et donc, je pense que c'est très important. Et ça, c'était intéressant parce que c'était un peu une confirmation pour moi de ce que je disais souvent à des collègues italiens, en leur disant, certes, il y a eu des problèmes avec la réforme de Gentile, et il y avait les oppositions Croce et Gentile, Enriquez, etc. Mais c'est pas si simple. Et je pense qu'il y a une chose paradoxale, c'est qu'effectivement, la réforme de Gentile a fait que les scientifiques italiens ont une culture, une véritable culture, qui leur permet d'avoir une approche philosophique de leur discipline. Ce sont des gens avec qui on peut parler de façon très large. Oui, de toute façon, l'école italienne, l'éducation nationale, vit encore sur la réforme Gentile, c'est bien qu'il y ait eu des modifications, des aménagements. Absolument. Mais l'essentiel, c'est... Absolument. Si vous voulez, une des preuves, c'est qu'on n'a jamais pensé sérieusement en Italie à supprimer l'enseignement du grec et du latin, alors qu'en France... Alors il paraît qu'on en parle sur les réformes proches ou à venir, puisqu'il y a des changements. Là-dessus, je me souviens toujours, puisque je suis quasiment le dernier élève de Ajay Nogarin, à l'École normale supérieure, qui était un immense historien de la philosophie. Et Garin, qui avait été élève de Gentile et qui était un antifasciste, mais néanmoins qui reconnaissait les qualités à la philosophie de Gentile et la politique universitaire de Gentile, a toujours dit que l'Italie n'a connu qu'une seule vraie grande réforme de l'éducation nationale, c'était la réforme de Gentile, qui a fonctionné jusqu'à encore très récemment. Donc, voilà, c'est tout ça pour dire que la notion d'échange, de transfert, de traduction, de traductibilité, qui n'est pas du tout la transposition, parce qu'il y a un préjugé en France, souvent, c'est que français et italien sont des langues romanes, donc c'est à peu près la même chose. Qui a fait du latin peut très bien traduire l'italien en français ou le français en italien. C'est loin d'être le cas. Absolument. Et je pense que justement la proximité de ces deux langues, du fait même qu'elles sont proches, que ce sont deux langues romanes, pose des questions, des difficultés aux traducteurs. Parce que au début, quand j'ai commencé à traduire dans les années 70, puisque j'ai traduit beaucoup de philosophes ou de scientifiques italiens, j'avais tendance à... Et ça, c'est intéressant sur le geste intellectuel du traducteur. J'avais tendance, en ouvrant un texte à traduire, à transposer. C'est-à-dire que je traduisais au mot à mot, et puis au résultat, je regardais ça une demi-heure ensuite, et c'était horrible. C'était absolument horrible. Et donc, il faut prendre une espèce de liberté, une espèce de distance par rapport à cette langue qui rend captif, c'est-à-dire l'original. C'est-à-dire, tu es captivé par l'italien au point de ensuite retransposer en français ce que je lisais en italien. Et d'ailleurs aujourd'hui, où j'ai évidemment beaucoup plus d'expérience et ce genre de problème s'est effacé, quand je lis un texte traduit de l'italien en français, je n'ai pas besoin de l'italien pour savoir si c'est bien traduit ou mal traduit. C'est-à-dire que si je lis et que je vois des italianismes dans la traduction, je sais que ce n'est pas une traduction, c'est une transposition. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, on revient sur le problème de l'échange franco-italien. C'est que ce qui est fantastique, c'est d'accepter la différence, les différences, et de s'enrichir de ces différences. Et de pouvoir, dans sa propre langue, en l'occurrence, ma langue maternelle, c'est le français, s'enrichir de l'Italie, s'enrichir de l'italien, s'enrichir du travail de traduction, s'enrichir du fait qu'une traduction, c'est aussi, d'ailleurs, c'est même dans les contrats avec les éditeurs, on est considéré comme auteur en tant que traducteur, c'est transformer un texte, c'est même souvent l'embellir. D'ailleurs, le premier texte donc de Cinicicotti sur l'appel architetto, que j'ai traduit en français pour les éditions du Seuil, dans la préface, les auteurs disent que la traduction est meilleure que l'original. Ce qui était un compliment
Même un peu embarrassant. Embarrassant, absolument. Mais c'est souvent le cas. Mais c'est pour prouver que la traduction est un vrai travail, un travail d'écriture, de réécriture, et d'embellissement, si possible, de l'original. Si je peux me permettre de vous poser une question personnelle, vous qui êtes comme ça à cheval, si j'ose dire, sur les deux pays, vous vivez dans votre vie privée, vous vivez italien ou français ? Ah, c'est très intéressant, parce que, absolument, parce que d'une part, mon épouse est elle-même issue d'une famille émigrée d'Italie, de la Vénétie en France. Et donc, déjà, on a une espèce de communauté comme ça. Alors elle, c'est l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'elle a été éduquée par ses grands-parents, qui ne parlaient que l'italien, et elle a parlé très tôt l'italien, et donc ce n'était pas interdit de parler italien, etc. Mais la chose la plus proche de nous, qui nous rapproche d'ailleurs d'une certaine façon aussi, c'est que mon fils, nous avons décidé de le mettre à l'école élémentaire, à l'école primaire, et au collège, au lycée italien de Paris. Donc il est rentré tout petit, à 4 ans, à l'école italienne. Il ne connaissait pas du tout l'italien. Et je souligne que vous venez de dire l'école élémentaire. Oui. Après, oui. Vous vous êtes corrigé, oui. Vous avez dit l'école primaire. Absolument. Mais oui. En effet, cela révèle votre double identité, voilà. Linguistique et existentielle. Absolument. Et donc, il est sorti du lycée italien l'année dernière. Il a eu son bac, enfin le double bac, les ABAC, c'est à la fois le bac français et la maturità italienne. Et je dois dire que il en a été, c'était pas toujours très facile, parce que justement on retrouve les problèmes de différence entre la France et l'Italie, oui. Qu'en tant que Français de l'école italienne, parfois les enseignants étaient quelque peu, un peu xénophobes, disons, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y avait deux autres camarades français dans ce lycée, mais quand ils sortaient, par exemple, ils faisaient un voyage ensemble, on leur interdisait soit d'être dans la même chambre, soit de parler français entre eux, etc. Donc ça n'a pas été toujours très facile, mais il est sorti d'une part bien formé. Ça, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que, étant le lycée Leonardo da Vinci de Paris, étant lycée scientifique, il a fait 3 ans de philo, et il a fait 4 ans de latin. Ah oui. Et donc ça, pour ensuite son entrée à l'université ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ça a été un point fondamental pour le recrutement. Et puis, il avait une culture. Quand il était tout petit, il allait voir des musées. À 5-6 ans, on les amenait au musée, chose qu'on ne fait pas en France. Donc, il a bénéficié de tout cet héritage culturel, historiciste, italien, qui, je l'espère, continuera, ne sera pas détruit, supprimé par la mondialisation, oui, l'anglicisation, etc., mais qui est très important dans l'éducation des enfants, des jeunes, et pour les futurs intellectuels ou manuels qui sont formés dans ces écoles. Alors, si l'on essaye de tirer une conclusion de ce que vous venez de dire, on pourrait peut-être affirmer que la diversité est une richesse. Absolument. C'est la diversité est une richesse. C'est pas simplement un mot d'ordre. C'est vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, ce qui est aussi certainement votre cas, c'est un vécu fondamental. Et cela donne plus d'épaisseur à la vie d'une personne. Énormément d'épaisseur. C'est-à-dire que, parce que dans une langue, on est déjà habité par d'autres langues, évidemment. Mais ce travail, le travail de lecture, le travail des études, etc., lorsqu'ils se font, elles se font sur deux webinaires, sur deux fronts, comme ça, de rails, fait que ça s'enrichit, l'une enrichit l'autre. Et donc, pour l'espace mental, pour la constellation mentale, la réflexion, l'ouverture d'esprit, etc., je pense que c'est quelque chose de fondamental. Mais c'est ce qui était dit quand on dit les voyages forment la jeunesse. C'était dans ce sens-là qu'on le disait au 18e, 19e siècle. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais
il faut être conscient que c'est une tâche. Et que ça n'est pas très simple, c'est pas simplement des vacances, c'est pas... du coup, l'Italie n'apparaît plus comme elle apparaît pour beaucoup de Français, parce que je pense que les Français aiment beaucoup l'Italie, mais souvent c'est au niveau de la carte postale, c'est-à-dire, voilà, c'est l'Italie superficielle, c'est une Italie pittoresque, mais pas une Italie vécue... dans le fond, enfin, et dans le fond de la langue, et dans le fond de la culture, et dans le fond des mœurs, puisque nous fonctionnons de façon très différente. Devant des événements équivalents, un Italien et un Français n'ont pas la même réaction. Et ça, c'est très intéressant. Et de même, politiquement, les choses sont très différentes et vécues de façon très différente en France et en Italie. Et il y a des singularités des deux côtés. Donc voilà, pour moi c'est une richesse incontournable, enfin, et que, disons, j'aurais beaucoup regretté de ne pas avoir connu cet état d'étirement entre deux, et entre deux pays, entre deux cultures au moins, et donc voilà. C'est, voilà, ouais. Donc un exemple de biculturalisme franco-italien. Ouais. Merci, merci. Merci Charles. À vous. Merci beaucoup. Merci Charles Alunni.